On peut là changer d'air. Hey, je suis venu ici, moi, juste pour vous remonter le moral, là, parce qu'on a perdu à 6,49. As-tu de quelque chose, quelqu'un? Il est quelle heure, là? Moi, j'ai 6h49. Mais vous êtes pas drôle, maintenant, Carmen. C'est quelle heure, là? Moi, j'ai 6h36. Parlons-en de la maudite 6h36. T'aurais pas pu le dire à Sylvie que c'est des 6,49 qu'on voulait. Je pouvais-tu deviner, moi, qu'elle allait acheter des 6,36? Non, écoutez, là, regardons le bon côté des choses. T'sais, on a été millionnaire pendant 2 heures, mais c'est mieux que rien. Non, c'est pire que rien. Oui, parce que moi, là, dorénavant, j'ai l'impression que je me suis fait saisir ma Mercedes. Je me suis fait saisir mon yacht, ma maison dans le Nord, mon voyage en Monaco. Bon, ben là, vous allez m'excuser, mais moi, j'ai un show à faire bientôt. Faut que j'aille à l'essayage de costumes de mes 6 musiciens, puis faut que les 6 soient souvent 36. Je le sais, c'est pas drôle. Oh, c'est Pierrot. C'est Pierrot, est-ce que la famille est encore enragée contre moi? Mais non, mais non. Ils sont contents? Ben, Sylvie, essayez de trouver un mot entre content, là, puis enragé. 6 millions, Marie-Rose. Entends-tu ça, là? 6 millions qu'on a perdu. Ben oui, Hector, je t'entends. C'est pour être franc, je commence à être tannée de t'entendre. Ah. On a perdu, c'est terminé, la vie continue. Je viens de voir une souris! Où ça? Sylvie, le du courage. Après tout, t'es patron, c'est pas des ogres. Je sais pas. Je connais ta petite maudite, là. Attends, quand je vais l'accrocher, je vais y goûter ça. Très bon, Marie-Rose, quand je vais y mettre la main dessus, elle va être capote. Monsieur Potvin, oui. Elle sera pas facile à sortir. C'est une petite bête, ça. N'est-ce pas, papa? Alors, je cogne de vieux paquet de maudite de même! Attends que j'y mette la patte dessus. Tiens, les gars, des petites bêtes, j'en ai bien vu avant aujourd'hui, moi, hein? Moi, j'ai organisé le portrait avec M. Potvin. La petite verreuse est pas mieux que moi. Moi, j'ai organisé son corps, moi, à coup de bâton. Ben, va ouvrir, Hector. Arthur va s'occuper de la petite bébé. Ben, puis moi, je vais m'occuper de la grosse bébé. Calmez-vous, Sylvie, là. De quoi vous avez peur? Ah, mon Dieu. Bonjour, Hector. si c'est pas notre Patrick en or, là-dedans. Mon beau, mon grand Patrick qui vient nous... Ouais, Marie-Rose, assis-toi, mon petit. Marie-Rose, c'est notre beau et grand Patrick qui vient nous voir, notre ami Patrick, notre patron. Si gentil, si aimable, si bon. Hey, t'as un petit Patrick, on a-tu du fun hier? Hier, c'est effrayant, je me sens tant drôle. Me sens tant plus. Parce que petit, tu sais, quand t'es arrivé, j'ai fait le gars qui venait de gagner à 6,49, tu sais. Puis qui se met à insulter son patron parce qu'il a autant d'argent que lui, tu sais. Tu connais le genre de gars, c'est le gars qui il se permet d'insulter tout le monde. C'est le genre de nono, là. Les nonos, là, qui haïssent le patron, tu connais ça. T'en as déjà vu des gars comme ça, tu sais, qui pensent jamais plus loin que le bout de nez. T'en connais, Patrick, hein? Moi, en tout cas, j'en connais un. Moi aussi, j'en connais un. Je ne sais pas si c'est le même, Non, dis-le pas qui. Dis-le pas, je sais. C'est évident, c'est Longtemps, tu aurais pu dire. Robert Longtemps, c'est ça, pauvre Robert. Tu te connais, hein? Toujours après escalier, il est toujours dans le trou, ce gars-là. Tu sais, hein, plus il parle, plus il s'enfonce. Moi, je dis pas vraiment les noms. Non, oui, hein? Ton ami Longtemps, il est pas mal fort dans l'enfonçage. Ah oui, elle connaît bien. Mais il est pas aussi fort que toi, par exemple. Ouais, mais ça va faire. Arrête de parler de Longtemps. Je veux dire, lui, il s'en sert de Longtemps. Il est tanné d'entendre parler de Longtemps. Donc, oui, avec le Longtemps. Et mon Patrick, hein? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Dehors. Tu veux qu'on aille prendre une marche dehors? Certainement. D'accord. Marie-Rose aussi. OK, Marie-Rose, envoyez, habille-toi, discute pas, on va prendre une marche, toi. Ah ouais. Le magasin! Dehors!
je ne comprendrai jamais, Patrick. Voyons, ça n'a pas de maudit bon sens à faire un magasin de fleurs dehors, en plein hiver. On a l'air fin, là, avec ton pot de bain. Oui, je peux-tu deviner, moi, que Sylvie se tromperait de l'auto, la 636 au lieu de la 649? Mais, si tu l'avais gagné, c'est pas une raison pour engueuler ton patron. Pas de valeur, ça, pour une fois que j'avais la chance de dire ma façon de penser. Oh, Seigneur, qu'est-ce qui arrive ici? C'est cri à rire que grâce à Hector, Patrick nous a mis dehors. À cause du numéro qu'il a fait à Patrick hier soir. Puis après, pensez pas à la fin du monde. Oui, monsieur, c'est la fin du monde. Se trouver une job à 72 ans, c'est la fin du monde. Moi, je ne voudrais pas vous contredire, Mme Séguin, mais faut pas avoir raison, c'est pas la fin du monde. Vous trouvez? Ma femme a toujours une petite idée géniale quand il s'agit de régler un problème. C'est quoi ta solution, mon amour? C'est simple, Arthur. T'engages papa puis Mme Séguin à ton salon funéraire. Disais donc que ma femme a parfois des bonnes idées, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Fais attention, Arthur. C'est de mon père qu'on parle. Ça peut devenir un cas de divorce, ça. Hermance, mon salon funéraire, là, c'est pas un bureau de placement. Viens, Thor, on va essayer de trouver une autre solution. Je sais pas si tu réalises, Arthur, mais Hector, pas de vin, c'est mon père. Mais bien sûr, Hermance, c'est Mme Séguin, ta belle-mère, Pierrot, ton neveu. Puis moi, je suis supposé être celui qui fournit des jobs à tout le monde. Mon amour, est-ce que tu voudrais quelque chose de spécial pour dîner? Ah, ça, c'est mieux. Là, tu parles comme une vraie femme. Je vais prendre un steak, je crois. Oh, qu'est-ce que je fais bien aujourd'hui, donc? Oh, mon Dieu, Seigneur, Sylvie, je suis bien nerveuse! Oh, à chaque fois que j'entends un bruit, j'ai l'impression que quelqu'un de la famille qui veut m'étrangler. Je fais du remords, Madame Leblanc, là, ça n'a pas de bon sens. Faites du remords. Faites du remords. Faites du remords. Oh, oh! Oh, ben, Flybin! Vous savez que ça se guérit, ça, le remords, Sylvie? Bien sûr. Pourrais-tu me passer la section des offres d'emploi, là? Les offres d'emploi? Ah, ben, avec plaisir, monsieur Potin. Ah, merci. Arthur, ça te dérangerait-tu que j'aille faire une sieste? J'ai bien mal dormi hier soir. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Leblanc, j'aurais quelque chose à vous demander. Allez, mon enfant, demandez, vous recevrez. J'ai peur que vous m'en vouliez à cause de la loto d'hier soir. Oh, mais non, mon enfant, mais non. Vous dites ça pour me faire plaisir. Mais non, j'ai aucune rancune. Surtout pas envers vous, Sylvie. Merci. Oh, puisque je vous le dis. Vous croirez si vous me donnez un bec. Ça peut vous faire plaisir. Non, donc, monsieur Leblanc, c'est un petit bec de pas grand-chose, ça. Non, moi, ça me prendrait quelque chose de plus, là, pour me sentir vraiment pardonnée. Comme à la confession. C'est ça. Voilà. Allez en paix, mon enfant. Oh, monsieur Leblanc, hein? Vous embrassez tellement bien. Oh, Sylvie, Sylvie, faut pas abuser de la religion, vous savez, mon enfant. Oh, Sylvie, faites attention au péché. Oh, et puis que le calme en passe. Oh. Sylvie, je vous l'avais dit, le diable guette toujours. Sylvie, dans la cuisine. Oh, mon vieux cochon. Vieux vicieux, vieux père. Non, Hermance, c'était juste pour aider Sylvie, qui avait peur qu'on soit encore fâché contre elle à cause de la loto. Non, puis je suis supposé cloisson, moi. T'as pas fini, toi. Ça fait tout pour pas que la bonne ait peur, puis ça veut rien savoir d'embaucher mon père qui est dans la rue. Attends que je te relâche, toi! Non, Hermance, tu comprends pas. Non, justement,
Justement, là, avant que tu arrives, j'ai dit à Sylvie là, que je leur avais trouvé deux jobs là, à mon salon. Oui, oui, j'avais complètement oublié. Et que Choufou, je suis non. J'ai trouvé deux postes libres à mon salon funéraire. Deux postes que j'avais complètement oubliés. Où ai-je la tête? Oui, comment aimez-vous le hall d'entrée de mon salon funéraire? C'est beau. C'est pas d'ailleurs, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux? C'est neuf, hein? Puis d'abord, ça, les morts, ils rentrent ici rien qu'une fois. Hein? Non, ça, c'est une farce, comme ça. Les morts entrent pas par ici. Ils entrent par l'autre bout de la bâtisse. Ouais, mais tiens ça barré, hein, on sait jamais. Bon, bien, vous allez m'excuser, on m'attend au bureau. J'aurais une question religieuse à te poser. Allez-y. Dis-moi donc une affaire. Ça paye combien de l'heure, ça? Financiel. Ben oui, c'est ça. Ah ben, ça parle au ya. Ça parle au ya, ça parle au bon Dieu. Le même prix qu'on parle à l'heure. Ouais, mais c'est tellement plus vaste ici, on respire mieux! Ce qui m'inquiète, moi, c'est pas de respirer mieux, c'est quoi que je respire? Bon, bien, vous allez m'excuser, j'ai des affaires à régler. Si! Comment est-ce que vous trouvez ça? Ah, je trouve ça mort. Ah, relaxez, faites comme chez vous! D'ailleurs, tôt ou tard, un jour, ce sera chez vous ici. Ouais. Une petite joke du métier. Non. Oh mon Dieu, métier-moi encore. Hey, il me reste 15 minutes, mon chef, à l'hôpital. En tout cas, bon service l'après-midi, hein? Puis, Hector, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est pas mal plus beau qu'un ancien magasin de fleurs. Ah, Hector, non, moi je trouve que ça, c'est un trop grand changement pour nous ôter. Le magasin de fleurs, puis le salon funéraire. Mais voyons donc, qu'est-ce que tu dis là, toi, les trois corps des fleurs que le monde achète, c'est pourquoi? Hein? C'est pourquoi? C'est pour être envoyé dans un salon funéraire. Tu sais, c'est le fun à mort, on reste dans la même ligne. Ah oui, tiens, on va aller visiter le salon qu'il y a là. Oui, viens-t'en. Arrive donc, viens-t'en. Hey, on peut pas aller visiter tout seul. Ah, parce que tu penses qu'on peut pas, regarde-moi bien aller, moi. Non, Hector. Oui. Hey, moi, j'ai peur d'aller visiter ça toute seule. Oh. Parce que j'ai peur de rencontrer de la visite que j'aimerais pas. Non, tu t'en vas pour rien. As-tu, il l'a dit, les morts, ils sont l'autre bord. Ah oui, mais ça peut arriver qu'un mort revienne de ce bord-ci. Hein? Nous autres, on changera de bord. Hey, je suis sérieuse, là. C'est déjà arrivé qu'un mort soit pas mort. Oui. Frankenstein, oui. Non. C'est déjà arrivé qu'un mort sorte de son cercueil. Oui, mais là, faut-tu le comprendre, le gars? Peut-être que il n'aimait pas la couleur de son cercueil. Hey! Je te trouve pas drôle, Hector. Parce que c'est déjà arrivé qu'un médecin déclare quelqu'un mort puis qu'il l'est pas. Oui, il est chanceux, va! On t'appelle ça chanceux, toi. Oui, parce que ça serait le rêve de ma vie, ça, mais là. Oui, être dans mon cercueil, entouré de gens là, qui me pensent mort, comprends-tu? Puis moi, là, j'ai plus rien qu'à les écouter, là, les entendre parler, là, puis ils disent, ah, pauvre, pas de vin, va, ah, il est parti bien vite, ah. Il est mort comme un poulet. Ah, il a souffert le martyr. On ne réalise pas, la maison va être bien grande. Bon, dis que c'est un bon gars. Ouais. Puis si le monde dit du mal de toi, c'est là l'affaire qui est pas mal parfaite, c'est que ces gens-là, tu les enlèves de ton testament, comprends-tu? Oh, non, écoute, là, Hector, là, ça suffit. Puis ce gars-là, il a l'écœurant quand il vient prier devant toi, là, à un moment donné. Tu te lèves de ton cercueil, puis tu y fais peur, tu dis, ah ah, là, il te fait une crise du cœur, ce bassin, puis il tombe direct mort, là. Mais sais-tu, Hector, que t'es méchant? Non, non, je sais pas. Moi, non. Non, mais vois-tu ce que je fais, là, à ce moment-là, c'est que là, moi, j'ai donné mon cercueil, gratis. Viens, Hector. Tu sais, à notre âge, là, moi, je trouve qu'on est trop près de tout ça, là, pour être heureux en travaillant ici. On a-tu le choix?
d'accord. Moi, je suis bien prête à accepter la mort. Mais je suis pas sûre d'être capable de me regarder mourir. On va aimer ça à mort ici. Moi, je suis sûr que je m'aurai beaucoup d'avancement, bon, ça. Quelle sorte d'avance? Comment d'avance? Tu sais, Arthur, il fait quasiment pas de publicité. Moi, il montrait, moi, comment on fait de la publicité pour un salon funéraire. Qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi? Comment qu'on connaît? Parce que toi, t'es dans le slogan. Puis moi, des slogans, j'en ai des slogans. Oh. Oui, on vous certain. Vois-tu, mettons, Leblanc, lui, il vend, ça va marcher. Oui, t'as envie même mieux que ça. Arthur Leblanc, il est dans le vent, ça va marcher. Oui. Non, ça, c'est peut-être trop, ça. C'est peut-être. C'est vrai qu'en publicité, des fois, on ment, mais il y a quand même une limite à mentir. Hein? Viens, Hector. Oui. Merci. Viens-t'en. Viens, ouais. Le beau salon qu'il y a là. Oui. Jean, mon beau Jean, si tu savais la peine que j'ai. Tu étais si beau, si bon. Je t'oublierai jamais. J'étais si fière de m'appeler Madame Jean Bastien. Dors en paix, Jean. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon beau Jean adoré. Si tu savais comme tu me manques. Toi qui étais si beau, mon beau Jean. J'ai jamais eu la chance de m'appeler Madame Jean Bastien, mais on s'aimait. C'est tout ce qui compte. Je t'embrasse, Jean. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jean, mon écœurant, attends que je meure, moi aussi. Tu vas y goûter en testament. Amen. La trouves-tu, ta sacoche, Marie-Rose? Hein? J'arrive pas à trouver la lumière. C'est le code de porte à gauche, là, non? Attends. Hein? Il y a quelque chose qui bouge. Ah, ça doit être un fantôme. C'est mieux que ça, ben, ça doit être un mort qui se promène tout seul. Hector! Oui? Il y a deux yeux qui s'avancent vers moi! Ben, c'est parfait, t'as trouvé les yeux, là, il te reste bien qu'à trouver le reste du corps. Ah! Voyons. Excusez-moi, je vous ai fait peur. J'étais allé faire une course, puis je suis revenu par la porte de côté. Vous n'avez pas eu peur, hein, Madame Séguin? Oh, non. Oh, je respire toujours de même. Monsieur Patrick, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que je peux dire un mot à mes gentils petits employés? Ben, ils sont pas là. Monsieur Leblanc leur a offert une job à son salon funéraire. Quoi? Hmm? À son salon funéraire? Ah oui. C'était bien qu'il finit bien. Hein, monsieur Patrick? Ben, ils sont fous. Hey, je voulais juste leur donner une leçon pour qu'ils aient un petit peu peur, puis qu'ils recommencent pas avec leur niaisage. Oh, mais ça va me coûter une fortune pour les remplacer. Et à regarder le bon côté. Comme ça, il n'y aura plus de niaisage. J'étais si fiable. Fille Marie-Rose, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ben, je pense que je vais peut-être pouvoir m'y faire. Mais, tu sais, avant de dire oui, là, il faudrait s'assurer qu'on va être bien traité ici. Ben, là, t'as raison, voilà. Faut pas faire deux fois la même erreur, hein?
Attention, attention, on va faire un test. Monsieur, excusez-moi. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est que on est supposé commencer à travailler ici, nous tous les deux, la semaine prochaine. Ah, oh, ben ça me fait plaisir de vous rencontrer. Et puis malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas d'auto pour retourner chez nous. Pourriez-vous nous appeler un taxi, s'il vous plaît? Il n'y en a pas question. Hein? Je dois partir dans quelques minutes, ça me fera plaisir d'aller vous conduire. Oh! À tantôt. Satisfait? Comme vous voyez, la politesse est de rigueur ici. Et de plus, pas de faveur. Tous les employés sont sur le même pied. Pas de passe-droit à qui que ce soit. Si vous travaillez ici, vous allez monter comme tout le monde dans la hiérarchie de mon entreprise. Ah, Hector, Marie-Rose, faites pas de folie, hein? C'était juste une farce que je faisais, là. Je voulais pas vous mettre dehors, là. Non, je voulais juste vous faire peur un peu pour que vous soyez plus sérieux. En fait, c'était juste une farce. Hein? S'il vous plaît, je vous en prie, hein. Restez avec moi. T'as voulu nous faire peur? Ben, t'as réussi, Patrick. Non seulement on a eu peur de perdre notre emploi, mais à notre âge, on a eu peur de tout perdre. Puis on a surtout eu peur de perdre notre dignité humaine. Ici, on est bien traité. Puis d'ailleurs, tout le monde est traité sur le même pied. Alors, messieurs, dames, vous êtes prêts à partir? Tu vois, Patrick, ces gens-là sont assez gentils pour nous conduire chez nous. Alors, tu comprendras que le choix est facile à faire. Absolument. Ça a l'air pesant, ça, hein? Ça l'est. Eh oui, qu'est-ce que vous transportez, là? C'est une autre loi de la maison. Lorsqu'un employé n'a pas fini son travail pendant les heures ouvrables, ouais, eh bien, il doit amener son travail à la maison. Ouais. Christiane Charette. Demain, en direct, Michel Vassel pour la campagne électorale et Francine Ruel. Christiane Charette en direct demain, 10h30, Maritime, 11h30.